Je m'appelle Watine et aujourd'hui on est précisément sur le lieu du tournage du prochain clip. Le titre s'appelle The Strings of My Fate. I bled my body dry as a bone and I walked through the desert naked alone. C'est un nom qui revient chez beaucoup de gens qui ont un peu le syndrome de l'enfermement, comme je peux avoir quand je suis au piano. C'est toutes les influences burtoniennes, tous ces films où mêle le fantastique et l'ingénuité en même temps. Et donc la musique le reflète bien. Ma musique est à la fois perverse et enfantine. Chaque fois que je me mets à mon piano, qui est en fait un confident dont je ne me séparerai jamais, je laisse mes doigts courir et puis très rapidement il y a un début de thème qui s'impose à moi, que je joue, que je rejoue, que je développe un peu à l'infini. You say you want to pull the string of my fate and I say I'm sorry it's too late. You say you want to pull the string of my fate and I say no regrets. To replace. Il y a toujours eu un piano à la maison et dans notre éducation, de bonne éducation, on devait apprendre un instrument, à jouer d'un instrument. Donc j'étais mise au piano à 3 ans. J'habitais à Nice à l'époque et j'ai des photos où je suis au piano dans des salons de thé pour vieilles dames, en train de leur faire des petits récitals, j'imagine de petites pièces de Mozart, où j'ai même pas les pieds qui touchent les pédales. J'ai traversé beaucoup de choses. Le folk, la pop, l'électro, et le classique surtout, puisque j'ai commencé par là. Et donc j'ai fait ma petite sauce sans m'en rendre compte. Ça c'est des graines que j'ai ramassées en Guadeloupe par terre. Ça là-dedans c'est des coquillages que j'ai mis dans une petite boîte, enfin bon. Donc j'ai pas mal d'ambiance que j'arrive à organiser moi-même. Voilà, petite démonstration, tu vois, ça peut être des pistes de départ, ça, pour moi, des chansons. Je fais des choses très, très simples en dessous. Comme ça, j'ai vraiment libre fantaisie d'improviser. Ça fait 2 albums qui sont derrière moi avec beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de gens qui m'envoient plein de témoignages et j'avance sans calcul et avec courage. Et bon, j'espère que ce 3e album va répondre à l'attente de tout le monde. To lose your trace.